Bonjour, c'est Nicolas Nervi de Smart Corner. J'ai envie de vous parler des vidéos de pub qui sont sur YouTube. Et oui, on est en mois de juillet, c'est les vacances, je suis à côté d'un magnifique palmier. Je ne suis pas au bord d'une plage malheureusement, mais il fait chaud, c'est une période très agréable. Ce matin, je suis tombé en regardant une vidéo YouTube sur une publicité. Je voulais regarder une vidéo très intéressante sur une thématique qui me passionne et j'ai eu une publicité obligatoire de 8 secondes sur la rétention d'eau chez les personnes âgées. Alors au-delà du manque de ciblage et le manque de segmentation pathétique, ces publicités YouTube, s'il vous plaît, il faut arrêter. Ben, c'est pas ça que les gens veulent, ils ne veulent pas ça. Le principe de rentrer dans un moment de loisir d'une personne qui veut visionner une vidéo et lui balancer son message, c'est absolument énervant et tout le monde trouve ça énervant. Pourquoi est-ce que ça continue? Parce qu'ils voient des statistiques qui sont phénoménales. Ben oui, quand on donne aucun choix aux gens de visionner ou non cette séquence de publicité, bien évidemment qu'il y aura un nombre impressionnant de vues et des gens s'arrêtent à ça. Mais arrêtez avec ces publicités YouTube, je vous en supplie. Et si au moins les publicités étaient segmentées et qu'on recevait un message qui avait un lien de près ou de loin avec la vidéo qu'on voulait visionner, ce serait déjà pas mal. À toutes les personnes qui me disent constamment que ces publicités sur YouTube fonctionnent statistiquement, ouvrez les yeux. C'est typiquement une forme intrusive de publicité qui ne va plus fonctionner dans 5 à 6 ans. Notez vos commentaires, ça me ferait très plaisir d'avoir votre avis là-dessus. Merci, à tout bientôt.